Pour j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Pour je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure couvre comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, nous allons écouter la parole du Seigneur, bien-aimés. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 17. Nous allons partager la parole de Dieu. Que le Dieu de gloire soit béni, que le Dieu de la sainte présence soit élevé, que le Dieu de grâce et d'amour soit béni en ce jour. Nous saluons la sainte présence de Dieu. Alléluia. Le Dieu qui nous rend fort, le Dieu qui nous rend victorieux en toutes choses. Nous saluons ta présence, nous invoquons ton Saint-Nom au milieu de nous. Bien-aimé, prends ta Bible avec moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. 1 Roi, chapitre 17. C'est parti pour la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 17, ensuite nous allons lire Matthieu 18, 18, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci pour votre présence, merci de partager la vidéo, merci d'accompagner cette parole par vos amens, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de l'ombre et son réel. L'ombre et son réel. Nous allons parler de l'ombre et son réel. Alléluia.
Gloire au Seigneur. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1. Tu vas lire avec moi de là où tu es. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. » Et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 18. L'ombre et son réel. Matthieu 18, 18 nous dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Est-ce que tu peux répondre avec moi? « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alléluia. Bien-aimé, je viens parler ici de l'ombre et son réel. Il y a une évidence, bien-aimé, c'est que Dieu a fait de certains hommes son ombre à lui-même. L'ombre, c'est l'homme, et le réel, c'est son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est un fait que beaucoup de gens ne cernent pas. Mais à la lecture de cette parole, cette pensée me laisse comprendre une chose très capitale, c'est que le ciel est prêt à écouter ta voix, bien-aimé. Le ciel est prêt à exécuter même ce que tu déclares. Ton réel, bien-aimé, est prêt à suivre ce que l'ombre lui dit. Nous avons souvent l'impression, nous avons souvent tendance à penser que tout ce qui s'exécute, tout ce qui s'est fait, bien-aimé, c'est que le réel qui active les hommes. Mais il y a un fait très capital et très important à savoir pour chaque enfant de Dieu, c'est que l'ombre peut faire avancer les choses au ciel. Le ciel est prêt à écouter ta parole, ta déclaration, ce que tu dis. Prendre position selon que toi, tu le veux, bien-aimé, dans le Seigneur. Cela entre dans un régime spirituel. Ça s'appelle le régime des privilégiés, le régime des privilèges de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on est connu de Dieu, lorsqu'on est appelé du nom de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, on entre dans un régime de privilèges, bien-aimés. Et ces privilèges vont jusque à nous présenter cette réalité qui fait que ce ne soit pas le réel qui fasse marcher les choses seulement sur la terre, mais il y a aussi des moments, selon la compréhension des choses spirituelles, où l'ombre, bien-aimé, commence à bouger les réels, où l'ombre commence à faire des choses à son réel. Nous avons dit l'ombre, c'est toi, l'homme, et le réel, c'est ton Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas que les choses
en sens venant du ciel sur la terre. Il y a aussi des choses venant de la terre qui vont vers les ciels, et les ciels ne les refusent pas, parce que celui qui a trouvé grâce devant Dieu entre dans un régime de privilège, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de pouvoir le comprendre comme ça. Nous voyons ici, revenant à 1 Roi chapitre 17, nous voyons Élie. Élie est en train de prendre une décision. La décision d'Élie est basée sur quoi? Qu'est-ce qui pousse Élie à pouvoir prendre une telle décision? Quelle était la décision d'Élie? C'est qu'il n'y aurait plus de pluie sur la terre, sinon à sa parole. Élie était en réaction avec la vie que le roi avait imposée à Israël. Le roi qui était déjà une mauvaise personne. Lorsque nous revenons un peu plus bas dans 1 Roi chapitre 16, vous allez vous rendre compte qu'il s'est établi en Israël un roi qui n'a pas eu de la crainte pour Dieu, qui a fait plein de mauvaises choses, et ce sont ces choses-là qui pousseront le prophète à réagir. Qu'est-ce que nous lisons? Ce roi s'appelle Akab, bien-aimé. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ici, j'aimerais déjà rappeler aux lecteurs de la parole, à ceux qui aiment la parole de Dieu, qu'à chaque fois qu'on parle d'Akab, on rappelle sa provenance physique. On rappelle le nom de son père. C'est parce que c'était un être tellement abominable que Dieu ne veut même pas qu'on confonde cet enfant à sa personne, bien-aimée. Lorsque Dieu aime quelqu'un, lorsque Dieu approuve les voies de quelqu'un, il est fier de s'appeler son Dieu. Il est fier de s'appeler son Seigneur. Et lorsqu'on parlera de lui, on parlera aussi en même temps du nom de l'Éternel. Mais lorsqu'on commence à rappeler, bien-aimé, il y a trois versets ici. Verset 29, 1 Roi chapitre 16, 29, Akab, fils d'Omri. Verset 30, Akab, fils d'Omri. Ça se répète, bien-aimé, c'est parce que Dieu ne veut même pas qu'on l'identifie à un être aussi abominable. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi Akab? Et la Bible dit ceci, verset 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel. C'est ici encore que je viens dire, bien-aimé, un mariage peut être la preuve que tu sors de l'alliance avec Dieu. Le type d'homme que tu vas épouser, le type d'homme et de femme que tu vas épouser peut être la preuve que tu sors de l'alliance avec Dieu. La Bible dit qu'à part tous les péchés qu'Akab avait fait, il ajoute un autre péché. Quel était ce péché-là? Aller épouser Jézabel. Alléluia. Il prit pour femme Jézabel, fils de Et-Baal, roi des Sidonins, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tout le roi qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous comprenez que Akab, qui est venu régner sur Israël à Samarie, était un roi abominable, qui n'a pas craint Dieu, qui a amené des mauvaises choses. Il avait tellement de péchés, mais il est allé encore ajouter un autre péché, épouser une fille qui était fille d'un prêtre
d'une abomination, d'un faux dieu qu'on appelait Baal. Cette fille s'appelait Jézabel. Il a ramené le culte de Baal en Israël, jusqu'à lui construire tout un temple, bien-aimé. Et toutes ces choses-là a tristé, bien-aimé, l'homme de Dieu, Élie. Alors, c'est alors que Élie, chapitre 17, va réagir. Il va réagir parce qu'il n'est pas prêt à comprendre que le roi puisse entraîner tout le peuple dans ces désordres organisés, dans ces désordres les poussant à abandonner les seigneurs, à aller vers de faux dieux que lui a décidé de ramener en Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de l'ombre et son réel, je suis en train d'essayer d'expliquer une vérité. Le peuple n'avait pas de pouvoir. Le peuple n'avait pas d'autorité de résister au roi. Parce qu'un roi qui règne et impose sa suprématie sur le peuple. Aujourd'hui, le gouvernement français nous dit confinement. Nous sommes confinés. Lorsqu'il nous dit porter des masques, nous portons des masques. Ça veut dire que l'autorité établie dans les pays a un certain pouvoir sur le peuple. Et le peuple subit en quelque sorte, bien-aimé, les dictats du pouvoir, bien-aimé. Et si c'est un pouvoir démocratique, bien entendu, la vie du peuple comptera aussi. Mais bien-aimé, vous savez, vous le savez très bien, que lorsqu'un pouvoir s'établit, il y a toujours une forme de force qu'il exerce sur le peuple. Sinon, aucun programme d'aucun gouvernement ne pourra jamais se mettre en place parce qu'il y a toujours de l'opposition. Élie a vu toutes les abominations que Akab a amenées en Israël et il a réagi. Mais en réagissant, bien-aimé dans le Seigneur, Élie prend la décision de fermer les ciels. Qu'il n'y ait plus de pluie. Et il dit sinon à ma parole. Ce qui m'étonne d'abord, c'est de comprendre que, bien-aimé, Élie, avant de sortir cette parole, on va dire que malgré les abominations qui étaient dans les pays, le peuple vivait plus ou moins parce qu'il y avait la pluie, les champs pouvaient pousser, donner de la nourriture et le peuple pouvait jouir de cette forme de bien-être. Mais Élie se décide qu'il n'y ait plus de pluie. Lorsqu'il n'y a plus de pluie, bien-aimé, il y a tout l'écosystème qui va être dérangé. Les champs ne vont plus donner, les sources d'eau vont tarir. Bien-aimé, il était en train, avec sa décision, de faire entrer les pays dans un moment de désarroi. Dans un moment, bien-aimé, de trouble, mais le Seigneur n'a pas réagi. Lorsque Élie parlait, Dieu n'a rien dit. Ce n'est que lorsqu'il termine de parler, 1 Roi chapitre 17, lorsqu'il termine de parler au verset 1, que la Bible nous dit que l'Éternel s'élève maintenant pour dire à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers un lieu que je t'ai préparé. Nous comprenons par cela, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui est appelé de Dieu, celui qui agit pour la gloire de Dieu, celui qui est serviteur de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, jouit d'un régime de privilège, bien-aimés dans le Seigneur. Le privilège de parler et que le ciel écoute. C'est ce que nous avons lu en Matthieu 18, bien-aimés. La décision d'Élie de fermer le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie va entraîner une grande désolation. Le peuple va connaître une famine comme pas possible, jusqu'au point où les gens vont s'entretuer, les gens vont manger leurs propres enfants, les gens vont manger leurs propres excréments. Mais la décision vient de qui? La décision vient du prophète bien-aimé. C'est ce que j'essaye d'expliquer à quelqu'un. C'est lui qui est appelé de Dieu. Il est d'abord respecté par Dieu lui-même. Lorsqu'on parle de Dieu, on est dans le domaine des esprits. Et un esprit, par essence, est un être fidèle.
Un esprit est un être fidèle. Lorsqu'on lui donne un cheminement, lorsqu'on lui donne une voie à suivre, c'est la voie que l'esprit va suivre. L'esprit n'est pas trop comme l'homme qui est versatile, qui est changeant, qui ne respecte pas sa parole et qui ne met jamais en pratique ce qu'on lui demande. Un esprit est fidèle. C'est comme ça qu'au ciel, par exemple, les anges n'ont pas besoin de foi parce qu'ils ont déjà en eux la pensée de l'Éternel. Un esprit est ainsi constitué, bien-aimé. Élie parle ici, bien-aimé dans le Seigneur, il prend une décision, mais une décision qui plonge tout le pays dans la sécheresse, dans la famine, bien-aimé. Mais Dieu semble respecter cette parole. Dieu ne l'interrompt pas pour lui dire, mais monsieur Élie, tu ne comprends pas que par ta décision, le peuple va à entrer dans une forme de famine. Non, Dieu ne l'interrompt pas. Je me pose la question, pourquoi Dieu n'avait pas d'emblée tué Akab? Pour qu'on n'en arrive pas là. Dieu a laissé vivre Akab jusqu'au point où Élie n'en pouvait plus des abominations qu'Akab avait amenées sur Israël, qu'il va se décider. Il prend cette décision-là. Il dit une chose, écoute-moi très bien. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, bien-aimé, lorsqu'on parle comme ça, Élie le Tishbite, lorsqu'on commence à parler de ses origines, on veut les dissocier un peu de la divinité. On veut t'expliquer que là, c'est la personne d'Élie qui agit. Ce n'est pas une instruction qu'il a reçue de Dieu. C'est lui, Élie, qui se décide de parler ainsi. C'est comme ça qu'on parle même de son origine. Je t'ai dit ça dans l'autre sens quand on a parlé de Akab, fils de Omri. C'est parce qu'on ne veut pas l'associer au nom de Dieu. Et ici, pareil, Élie parle, le Tishbite. C'est comme moi, on dit, Josis parle, fils de Dezem et Alphonse. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Josis qui parle. Il dit une chose, il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Tu vois le pays ici où tu as amené l'abomination, le pays ici où tu as entraîné le peuple à pécher, ce pays-là qui s'appelle Israël, a un Dieu. Et il dit, ce Dieu-là est vivant et moi, je suis son serviteur. Puisque Akab, tu n'as pas craint le Seigneur et que tu as amené des abominations en Israël, il ne tombera plus de pluie dans ces pays, sinon à ma parole. Il prend une décision, bien-aimé, en réaction à ce que Akab avait fait. Et le ciel semble l'accompagner. C'est pourquoi je dis que celui qui est appelé de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'enfant de Dieu, entre dans un régime de privilèges, bien-aimé. Où tu peux parler sur la terre et le ciel agrée cela. Tu peux parler ici, prendre des décisions sur ta vie et le ciel agrée cela. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, quelle que soit la puissance de celui que tu vois tomber autour de toi, de celui qui meurt par cette crise, par la maladie qui prévaut maintenant, bien-aimé, ta vie est personnelle. Ta destinée avec Dieu, c'est Dieu qui la trace, bien-aimé. Tu n'es pas le semblable de l'autre. Tu es toi. Et tu as le pouvoir, la liberté de décider des choses ici-bas. Et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que le ciel va agréer. Le ciel va répondre favorablement. Le ciel va décider selon que toi, tu as décidé ici sur terre, bien-aimé. Tu es l'ombre de quelqu'un. Tu es l'ombre de quelqu'un qui est ton réel, bien-aimé. Et ton réel est puissant. Ton réel est glorieux. Ton réel a le pouvoir sur toutes choses. C'est pourquoi il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Élie l'a fait, il a dit, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Et Dieu a agréé cela.
Alors, lorsque Élie crée ce précédent, lorsque Élie crée cet événement, parce que c'est un événement, il était en face du roi, il lui dit, il ne tombera plus de pluie dans ce pays, sinon à ma parole. Dieu vient, il protège son serviteur, il ne le condamne pas, il ne l'expose pas au pouvoir de Akab, il ne l'expose pas au pouvoir de Jézabel, mais il lui prépare un terrain de protection. Bien-aimé, lorsque tu es appelé de Dieu, lorsque tu es l'ombre du véritable réel qui est Jésus-Christ, il y aura toujours de la sécurité autour de toi. Parmi les privilèges que je suis en train d'évoquer ici, il y aura la sécurité. Dieu te sécurisera. Il te protégera, il te gardera, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ce régime de privilèges, je n'aime même pas en parler à n'importe qui parce que c'est, pour moi, c'est le domaine des initiés. Il y a une profondeur, il y a une dimension dans cette affaire des privilèges que nous recevons de Dieu qui demande à ce que ce soit donné vraiment aux initiés, aux gens qui comprennent la pensée pure de Dieu et la profondeur de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'une prière, une prière qui a même été faite sur la base d'une erreur a été exaucée simplement parce que cette prière-là venait de celui qui jouissait du régime des privilèges des dieux. Dans Josué chapitre 10, verset 12, la Bible nous dit qu'il pria. Josué dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » Il est attesté, il est prouvé, bien-aimé dans le Seigneur, que le soleil ne marche pas, que le soleil ne bouge pas. Alléluia. Mais Dieu exauce des géants, Dieu exauce une prière faite sur la base d'une erreur. Parce que simplement, c'est lui qui dit cette parole, jouit du régime des privilèges, bien-aimé dans le Seigneur. Il est l'ombre d'un réel qui est puissant. Il ne peut pas laisser sa parole tomber par terre. Dieu ne laissera pas ta parole tomber par terre. Prends le courage de parler, déclare des choses, bien-aimé, et tu verras que le ciel va t'accompagner. Ce n'est pas seulement au réel de faire fonctionner l'ombre. Maintenant, c'est l'ombre. Bien-aimé, quand tu es réel, moi là, je suis réel. Tout ce que vous voyez sur le mur derrière moi, c'est mon ombre. Cette ombre-là ne bouge que quand moi je bouge. Mais Dieu a fait que l'ordre soit inversé sur le plan spirituel et que l'ombre fasse bouger le réel. Dieu est prêt, il est d'accord, il n'est pas contre que toi tu parles, que toi tu décides d'arrêter l'orgueil du roi, d'arrêter l'orgueil d'Akab, d'arrêter l'orgueil de Jézabel. Et lui va suivre ce que toi tu vas décider. J'ai dit une prière faite sur la base d'une erreur a été exaucée. Josué chapitre 10, verset 12, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi cette prière a été exaucée? C'est parce qu'elle a été faite par celui qui était l'ombre d'un réel. Bien-aimé, la prière même d'Élie, la parole d'Élie, il ne tombera pas de pluie en Israël si ce n'est à ma parole, a été exaucé parce que Élie n'est pas n'importe qui. Quand Dieu accepte d'exaucer Élie comme ça, il n'a pas pensé aux 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux parce qu'eux aussi sont entrés dans les désarrois. La famine a touché aussi les 7000. Quoique dans le régime de protection de Dieu, je sais que Dieu les a mis aussi à l'abri du besoin d'une certaine manière. Parce que dans la suite de la lecture, au chapitre 18, tu pourras voir par exemple qu'il y avait quelqu'un qui travaillait chez le roi, mais qui a caché 50 prophètes dans des cavernes et qui le nourrissait avec du pain et de l'eau. Donc Dieu a d'abord exaucé Élie. Parce que quand quelqu'un est appelé de Dieu, la première personne qui respecte cette personne-là, c'est Dieu. Puisque Dieu s'appelle ton Père,
c'est lui le premier qui te respecte. Celui qui ne te respecte pas va à l'encontre déjà de Dieu. Dieu, parce que c'est un esprit pur. Et l'esprit, par essence, est un être fidèle. Lorsqu'il a déclaré, il le fera. L'esprit ne change pas. Alléluia. Bien-aimé, l'appel de Dieu nous fait entrer dans un monde de privilèges. Nous devons comprendre cette réalité. Et il n'y a pas que le privilège. J'ai parlé d'un premier privilège qui est la sécurité. Dieu a su que mon serviteur venait de créer un précédent. Il venait de créer un événement. Dieu lui a montré le torrent des Kérites. Il lui a montré là où il sera en sécurité. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la sécurité. Mais je peux vous parler des humilités qui accompagnent quelqu'un qui est appelé par Dieu. L'ambassadeur des États-Unis en France jouit d'humilité. Même lorsqu'il commettrait une infraction, il y a toute une procédure pour mettre la main sur lui. Parce qu'il jouit d'une humilité. Son pays le protège. Bien-aimé, tel que nous sommes sur la terre, les ciels nous protègent. Dieu nous protège. Nous sommes son ombre, bien-aimé. Il est notre réel. Nous jouissons d'un régime de privilèges. Ces privilèges-là peuvent troubler. Parce que quand on commence à parler de privilèges, on parlera aussi d'une catégorie de privilégiés et d'une catégorie de gens qui ne jouiront pas de même privilège. Ça peut troubler en Israël lorsqu'il a pris les Lévites d'entre ses frères pour en faire des gens qui doivent avoir des droits sur le peuple. Il y en a qui se sont posé la question de savoir pourquoi eux et pourquoi pas nous. Pourquoi devait-il percevoir notre dîme? C'est cela, bien-aimé, le régime des privilèges. Nous avons ces privilèges-là devant Dieu. Nous jouissons de sa sécurité, nous jouissons de ses humilités. C'est pourquoi il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est une réalité, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es protégé, tu es immunisé, tu es gardé par Dieu. Il est impossible qu'on te touche. Il dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Cela n'est pas une blague, bien-aimé. C'est une vérité que nous devons tous essayer de comprendre. Un jour, je vous parlerai des erreurs des hommes de Dieu et de comment est-ce que Dieu a géré ces erreurs-là, bien-aimé. C'est très important de pouvoir connaître ces choses, bien-aimé. Quand tout cela se passe, quand Élie parle, Dieu ne fait rien. Il ne se fait pas voir. Il laisse Élie parler. Pourquoi il n'a pas calmé Élie? Et écoute, mon serviteur, oui, je sais que tu agis pour défendre mon nom, mais écoute, cette décision va entraîner tous les pays dans le malheur. Change de décision. Non, Dieu les laisse prendre cette décision et Dieu l'accompagne dans cette décision. Puisqu'il n'a pas fait pleuvoir, il n'a pas laissé la pluie tomber sur la parole d'Élie. C'est parce que Dieu nous fait entrer dans un régime de privilège, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Cela est très important de pouvoir le comprendre, bien-aimé. Alléluia. Dès lors qu'il a fini de parler, rien ne pouvait changer sa parole. Parce que c'est la parole d'un appelé. C'est la parole de l'ombre du réel. C'est la parole de celui qui jouit des humilités de Dieu. Lorsqu'un ambassadeur plénipotentiel prend une décision ici au nom des États-Unis, il prend cette décision en France, les États-Unis vont suivre. Du reste, l'ambassadeur se réfère toujours à la politique extérieure de son pays avant de prendre une décision. Il se réfère à cette politique-là. Mais ici, le privilège avec Dieu semble aller encore plus loin. Il semble que Élie n'a même pas consulté Dieu, parce qu'il lui rappellera plusieurs fois au chapitre 18. Je me suis opposé au roi, j'ai montré mon zèle à Dieu, parce qu'on a amené des abominations en Israël. Mais l'Éternel, tu me laisses comme ça et on veut me tuer. Il rappelle ça plusieurs fois à Dieu. Ça veut dire que la décision qu'il a prise en âme et conscience.
Et ce n'était pas un ordre forcément qui était venu de Dieu. Bien-aimés, nous avons ce pouvoir, nous avons ce privilège de parler. Lorsque Élie a parlé, Dieu n'avait-il pas pensé aux 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal? C'est parce que même dans ces régimes de privilèges, nous ne sommes pas tous pareils. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais même pas si c'est le cadre vraiment où je dois parler de ces choses. C'est le domaine des initiés, bien-aimés. Élie n'était pas dans le même régime que les 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu peut laisser mourir plusieurs et il protège son appelé. Il protège celui qui est dans son amour. Il protège son nombre. Bien-aimés, on peut décider de combattre l'œuvre que je conduis. Tant que je vis, même si je vais au Canada, l'œuvre peut toujours ressurgir. Parce que moi qui suis appelé de Dieu, j'ai encore la capacité d'agir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cela ne change pas. Et c'est cela le régime de privilèges que Dieu nous donne. Bien-aimé, tu dois croire que tu es l'ombre de quelqu'un d'important, de quelqu'un de puissant, de quelqu'un de merveilleux, de quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est capable de sauver, bien-aimé. Tous pouvaient mourir, mais lui protège son serviteur. Il l'amène au torrent. Et même lorsque le torrent va sécher, il l'amène encore à Sarepta. Il dit, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Bien-aimé, le régime de privilège de Dieu ne s'arrêtera pas. Même si les saisons changent, même si la sécheresse provoquée même par ta propre faute vient, bien-aimé, à te frapper, le Seigneur de gloire qui t'accompagne, il viendra encore te prendre et te sortir de cette situation. Il l'a amené au torrent de Kérit, il l'a amené ensuite chez la veuve, bien-aimé. Il a continué à l'accompagner jusqu'à ce que Dieu lui dira « rentre vers Akab maintenant ». Va te présenter à lui. Et il dit, l'Éternel dit, je ferai pleuvoir. Mais lorsque Élie rentre là-bas, ce n'est pas l'Éternel qui fait pleuvoir. C'est encore Élie qui devra prier la tête entre les jambes pour que la pluie tombe, bien-aimé. Dieu sera fidèle. C'est toi qui peut-être ne seras plus fidèle, mais Dieu restera fidèle parce que tu es son ombre, bien-aimé. L'ombre bouge avec le mouvement du réel. Cela est très important de pouvoir le savoir. Et pour ta protection et pour ta sécurité, il peut même éliminer des gens. Il a dit, je vais donner les Tchopiens, les Sabaïens à ta place. N'est-ce pas lui qui les a créés? Mais il dit, je donnerai des peuples à ta place pour que toi tu vives. Je laisserai mourir des peuples. C'est très important de pouvoir connaître ces choses, bien-aimé. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux décider et le ciel va t'accompagner. Tu peux décider, bien-aimé, dans le Seigneur, et Dieu ne sera pas contre. C'est un régime de privilèges. Parle devant la situation que nous traversons. Je vois des gens trembler à gauche, à droite. Ah, voilà, des grands bishops comme ça sont en train de tomber. Et moi, ici, le petit chrétien que je suis, bien-aimé dans le Seigneur, parle et le ciel va t'accompagner. C'est un régime de privilèges. Seul Dieu connaît la vie de tout un chacun d'entre nous, bien-aimés. Et l'ombre crée des événements que le réel va amplifier. Oh, personne ne m'a compris. Je suis en train de dire que l'ombre crée des événements que le réel va amplifier, bien-aimés dans le Seigneur. Vous croyez que le paralytique que Pierre va faire lever là, c'était n'importe quel paralytique? Ce n'était pas n'importe quel paralytique. Pierre a choisi les paralytiques les plus connus du coin. Il a choisi les paralytiques les plus connus du coin. Et lorsqu'il exerce l'autorité sur lui, toute la ville est enflammée par l'information. Je dis toute la ville est enflammée par l'information.
lorsque l'ombre crée un événement, le réel va amplifier l'événement. Parce que il y a un objectif poursuivi dans cela. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Cette parole apparaît, je termine par là, comme une parole qui vient nous dire, bien-aimé, que Dieu peut tout. Oui, Dieu peut tout. Mais Dieu, il a tous les moyens, mais il n'a pas toutes les possibilités. Parce qu'on ne peut pas pousser Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Il a tous les moyens, mais il n'est pas intéressé à se marier, par exemple, physiquement ici. Dieu n'est pas intéressé à cela. Il a tous les moyens, mais il n'a pas toutes les possibilités. L'homme a toutes les possibilités, mais il n'a pas tous les moyens. Parce qu'il est ombre. Mais son réel a tous les moyens. Et lorsque tu fais activer ce moyen, c'est lui qui est ton réel, va amplifier les choses et va te permettre, bien-aimé, de jouir de ses privilèges. La décision d'Élie était une décision de colère, mais Dieu l'a accompagné parce que c'était son ombre, parce que c'était son représentant sur la terre, parce qu'il parlait pour la gloire. Tout ce que j'ai retenu ici, bien-aimé, nous n'allons pas parler parce que nous faisons des caprices. Nous n'allons pas parler pour notre propre gloire, mais nous allons parler lorsque les intérêts de Dieu sont en jeu, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Roi chapitre 18, je termine là. La Bible dit, verset 17, « À peine Acab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Bien-aimé, même le roi a reconnu que s'il ne tombait plus de pluie, c'est parce qu'Élie avait parlé. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. C'est toi qui troubles Israël, toi qui as amené le péché ici. C'est pourquoi moi, en tant que privilégié, en tant que oint de Dieu, j'ai parlé et j'ai déclaré qu'il ne tombera plus de pluie si ce n'est à ma parole. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur devant toutes les situations qui sont au-devant de nous. Nous allons prier en croyant que nous sommes l'ombre de quelqu'un d'important. Jésus-Christ est notre réel. Nous pouvons déclarer des choses. Nous pouvons parler et même le ciel aujourd'hui va exaucer, va écouter et va nous accompagner dans tout ce que nous allons dire maintenant. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier le Seigneur, demande sa faveur, alléluia. Ordonne et tu verras ces choses s'accomplir. Prie le Seigneur, dis-lui, Seigneur mon Dieu, alléluia. Oh Rabasaka Yamanako, cette maladie qui est en train de troubler des familles, de peuples, Seigneur. Les enfants de Dieu ne savent plus à quel saint se vouer. Il y en a, bien-aimés, qui commencent à abandonner la foi. Dis à Dieu, alléluia. Maintenant, aujourd'hui, moi, peuple de la Sainte Présence, je décide d'arrêter cette maladie. Je décide d'arrêter ces fléaux. Je décide d'arrêter cette anomalie. Que la vie reprenne son cours normalement. Que la vie reprenne son cours normalement. Que la vie reprenne son cours normalement. J'ordonne maintenant à l'esprit de mort de s'éloigner de ma vie. Au nom de Jésus, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Ô mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Tu as été renversé. Tu as été détruit. Tu as été
anéanti. Je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les paroles que tu vas déclarer toute cette semaine. Tu es l'ombre de quelqu'un de puissant. Et toi, ombre, tu fais bouger les réels au ciel. Tu parles et les ciels agréent. Que Dieu te bénisse, que sa paix soit dans ta maison, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire.